Départ. Là, c'est l'arrivée. T'as pas vu Alex? Non, non, non. Ah, mais il est là! Il est grand. Bon, t'es en forme, Alex? On va voir. Le premier quart de finale qui va s'élancer maintenant dans moins de 5 minutes. Allez, on y va! Le coup de pétard et le départ en tête du dossard numéro 1, Delphine Claudel, qui vient de partir. Je vous rappelle, c'est elle qui a signé le meilleur point de la qualification ce matin. C'est toute catégorie confondue, elle qui a dominé depuis la catégorie de... Je peux vous dire, les gars, il y a du trop bien ça. Ah, c'est bon, ça allonge quand même. 4 Savoyards, 1 Vosgien. Vosgien s'est dit, moi je reste 4 mètres derrière tout le monde en embuscade et je vais passer au dernier moment. Arnaud ? Allez, Arnaud ! Allez, Charlie ! Allez, Arnaud ! Allez, Maxime ! Allez, Arnaud ! Allez, Charlie ! Bravo ! Allez, accroche, Charlie, accroche ! Allez, Maxime, allez ! Allez, Arnaud ! Allez ! Allez, Jean, allez, gars, c'est bien. Allez, Charlie, allez. Hey, Alex. Alex Pouille et Victor Roguet, c'est parti pour ces garçons. Il y a une course de seniors, ouais, Clément Christmann qui est au contact avec Jean Tibergien. Rien n'est fait, il y a 3 Savoyards à Montmanet. Ça revient aussi pour Jean Tibergien sur le côté. C'est maintenant que ça joue, Alex Pouille, Jean Tibergien, avantage à lui sur la ligne. Ah, Jean Tibergien qui a passé en tête, Jean Tibergien devant, Victor Roguet deuxième position, Alex Pouille qui coince un petit peu, troisième, il y a du changement. Jean Tibergien, champion du monde junior de sprint. Victor Roguet deuxième position, Jean Tibergien, Victor Roguet qui revient, et Mathias derrière, oh là là, la photo finish. En tout cas, Alex Pouille qui sort du podium, lui qui a mené la course quasiment de bout en bout. C'est Jean Tibergien qui s'impose. Ah, j'ai du boule. Ouais, je pensais que j'arrive pour aller lâcher, j'ai pas vu. Bon. Eh oui. T'as fait la course en tête tout le long, et dur. C'est ouais. très bien, allez. Allez, directement pour pouvoir passer
maintenant. Allez, allez, allez. En demi-finale. Ouais, ça reste au coup d'à coude. Ça reste au coup d'à coude, ça va être fait. Marika Godin, ouais. Marika Godin, la puissance en poussée. Si... face aux filles, le quart de finale qui se prépare, on va regarder les filles. Oh, la place. Oh, la pierre. Allez, Lucas, allez! Allez, Thibaut, allez, Lucas, allez! Allez, Marius, allez, 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 allez! Allez, Marius, allez, 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 allez! Allez, Marius, allez! Allez, on souffle bien! Hein. Allez, Marius, allez, 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 allez! Allez, Thibaut, allez! Allez, Thibaut, allez! Allez, c'était du mélange! C'était pas avec Marius! Allez, on a attrapé du Hachi! Allez, 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 allez,
Margaillan également, qui vient pour vous si vous savez. Prendre la deuxième position, bien plus suite, Étienne Margaillan, 1 et 2. Sur cette demi-finale, plus de 8 garçons. Et même les mecs du Télémarque qui sont venus me voir aujourd'hui. Ah si, j'ai vu derrière. C'était sur le fil, ça. C'était vraiment sur le fil, le départ de Sam-Régé. On était pas loin du faux départ pour ce garçon qui cumule les erreurs, dis donc, Sam-Régé. Enfin, un mec qui s'amuse et qui a tout le temps en finale, c'est un peu chiant pour les autres. Et Sam-Régé, donc en tête de la course avec le one shot et le départ presque volé, on ne dira pas. Mathias derrière deuxième. Allez Sam, allez Mathias, allez les gars, allez Sam, allez Mathias, allez Mathias. Ah bah vous êtes de Pézé alors. Oh, c'est moi qui est de Pézé, je suis là. Ah oui, d'accord. Alors hein? Vous avez couru ce matin? Ouais, j'ai couru. D'accord, comment vous appelez? Clémence. D'accord. Et vous en connaissez une petite qui s'appelle Marie Gontarès? Oui, ouais, quelque chose. Ouais. Elle va bien, hein, elle a gagné. Ouais, elle est bien. Hein. Alors, vous avez couru ce matin, vous avez été éliminée, non? Mais c'est pas grave. Oui, bah, c'est pas grave. C'est pas trop hein? Fort le sprint. D'accord, super. Alors là, vous allez regarder la finale? Oui, ouais. Hein? Super, ok. Et c'est parti. C'est parti sur le fil pour Marita Gomin qui se relève. La finale d'art, je pense que c'est maintenant le maintenant qui vient jouer aux avant-postes.
Marion Colin qui pousse du bâton Delphine Claudel. L'avantage à l'aspiration. Il y aura deux courses, il y aura deux sprints pour la victoire et pour la troisième place du podium. Delphine Claudel, Marion Colin. Delphine Claudel toujours en tête. Attention Marion Colin avec la puissance sur la poussée qui revient. Marion Colin, Delphine Claudel. Marion Colin peut-être pour s'imposer. Marion Colin, Delphine Claudel. Photo finish. J'ai pas eu le temps de vous les présenter, on était sur la course des filles, mais pourtant on va avoir le temps de les voir. Dossard 31 et 39, les deux combinaisons rouges, celle de Lucas Gaillard et de Camille Laude. Et... Allez, d'ici un peu plus maintenant. Allez, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, l'ovation, saluez le vainqueur Camille Laude qui s'impose. Cette fois-ci, grand temps ralentir, il est arrivé. Et salut jusqu'au bout, Camille Laude s'impose devant. Le départ est loin, il est sur derrière. Ah, on a l'étalé qui s'est fait manger sur la ligne. Et la troisième place, la même troisième place de Lucas Gaillard. C'est un boulot. Vous l'avez mangé un bout, faites quoi? C'est la Clusa ici, hein. Ouais. C'est bien, pas mal la Clusa. On est venu un peu pour Alex, voilà. Alex, bouille, yes. Ouais. Bouille. Ouais. Moi, je vais souvent ici. On attend. Non mais toi y'a rien. Ma tête derrière, Oh mais j'ai fait la tour à gauche. J'arrive à rien.